Bonsoir, c'est Théo, merci à tous d'être là pour ce nouveau bulletin météo. On commence tout de suite ce bulletin météo avec notre jeudi qui s'annonce dans le plus beau des calmes, de belles conditions qui sont attendues, beaucoup de soleil bien effectivement, champ de haute pression qui en est la cause, et qui va donc nous apporter vraiment du très beau temps, beaucoup de soleil, peu d'éclaircies. Peu de nuages également. Alors, bon, on note malgré tout que sur la Méditerranée et la Corse, on a toujours cette dépression qui ondule sur la mer Méditerranée et qui donne des conditions plutôt instables avec des pluies qui sont parfois à caractère orageuse. Et ces pluies, on les retrouvera déjà demain matin sur la Méditerranée. Alors, l'alerte orange qui a été émise sur la Corse a été levée par Météo France, mais ça n'empêchera pas que la dépression continue d'onduler et de toucher la Méditerranée ainsi que la Corse avec des pluies qui sont à caractère orageuse. Donc, pour demain matin, ces pluies se retrouveront principalement sur la Méditerranée et donc vers les Pyrénées orientales, jusque vers les Cévennes et Roltès. On retrouvera d'autres pluies sur les Alpes, des pluies qui généralement s'annoncent faibles à modérées et qui peuvent donner à haute altitude, effectivement, des chutes de neige. Sur le massif central, d'autres pluies sont attendues, voilà, beaucoup moins importantes que sur la Méditerranée, avec des pluies généralement faibles à modérées. Demain après-midi, les conditions sont très belles, beaucoup de soleil, peu de nuages, peu d'éclaircies. Par ici, rien d'important à dire. Alors, faudrait noter tout de même que sur le sud-ouest, ainsi que vers le sud-est, se peut qu'il y ait un ciel voilé. Voilà, pour demain après-midi. Mais sinon, ailleurs, vraiment, on profitera de très belles conditions, de champs de haute pression, qui rapportent donc hein, toujours ce soleil. Et on a toujours ces pluies sur la Corse et la Méditerranée, qui peuvent être à caractère orageuse hein, sur la Corse. D'autres pluies qui peuvent également se développer sur les Alpes, sont faibles à modérées, avec possiblement quelques chutes de neige à très haute altitude. Demain soir, les conditions restent toujours très agréables pour une bonne partie d'entre nous. La Corse, encore une fois, et malheureusement c'est encore eux, sera toujours sous l'instabilité avec toujours ces pluies à caractère orageuse et il se peut, que ces pluies soient assez importantes dans la soirée. Et aussi dans la nuit de jeudi à vendredi, en début, en tout cas de nuit, de jeudi à vendredi. Alors vendredi, voilà, encore des conditions très calmes pour l'ensemble d'entre nous. On retrouvera encore quelques pluies le matin sur la Méditerranée. Voilà, le matin, ce sera assez calme. Mais regardez juste ici, hein, sur les côtes de la Manche, on a ce front qui va progressivement entrer sur le territoire et qui, dans l'après-midi de vendredi, gagne la Bretagne et la Normandie. Et puis ensuite, dans la soirée, perturbation, ce front se dirige vers les Pays de la Loire, mais effectivement aussi la région centre, jusque vers les Ardennes, avec de nombreux nuages, peut-être pas forcément pluie, mais des nuages en tout cas, ça y en aura. Et puis voilà. Voilà, donc en soirée, voilà, le front, on le retrouve donc depuis les Pays de la Loire, jusque vers les Ardennes, l'extrême nord du pays, avec des pluies généralement faibles à modérées. Tandis que sur le sud-est du pays, ça y est, la dépression s'est enfin décalée. Donc on n'aura plus vraiment beaucoup de pluie. Des conditions qui vont donc
petit à petit s'améliorer hein, sur le sud-est, après donc le passage de cette perturbation qui persiste, qui persiste depuis quelques jours. Ensuite, eh bien, samedi, bas ce front, on le retrouve depuis le sud-ouest jusque vers le nord-est, qui sera touché vraiment par des pluies généralement faibles à modérées. Sur le nord-ouest du pays, les conditions vont un petit peu s'améliorer, mais on aura un ciel de traîne, ce qui fait qu'on aura des précipitations en forme d'averse qui vont se développer. Et puis voilà. Et puis ensuite, hein, dans la nuit, enfin dans la soirée, pas dans la nuit, mais dans la soirée, le front se décale des Pyrénées jusque vers le nord-est. Voilà. Et on a des pluies aussi qui se présentent depuis la Méditerranée. Alors depuis la Méditerranée, c'est plus vers la mer, hein, Méditerranée, vers le golfe du Lion. On a des pluies généralement faibles à modérées qui peuvent s'accompagner parfois d'orages. Et puis donc voilà. Bah écoutez, ça va être la fin de ce bulletin météo. Je vous remercie à tous de l'avoir suivi. On se retrouve alors peut-être tout à l'heure pour une prochaine vidéo sur le troisième épisode de Qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Et puis voilà. Donc bah écoutez, hein, si j'ai le temps, ce que je ne vous promets pas, peut-être que la vidéo sera mise en ligne ce soir. Et avec, faudra vraiment qu'il y ait le montage. Donc, je vais commencer le montage ce soir. Je vous. Alors, normalement. Bon, le montage ne devrait pas vraiment prendre beaucoup de temps. il devrait me prendre. Ouais, bon. On verra si ce soir ça sortira cette vidéo-là, ce troisième épisode. Et puis, bon, voilà, après, je vous tiendrai au courant, mais. Mais voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse passer une excellente soirée. Puis on se retrouve donc, alors peut-être tout à l'heure, ou sinon demain. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et ciao!